Dame sur le roi. Ah, c'est à moi. Bonsoir à tous, eh bien, disons-le d'emblée, pas grand-chose cette semaine, l'affaire Augusta est au point mort, pas de fuite, rien. Bon, alors j'ai avec moi M. Louis Michel. Bonjour. Vous êtes le seul qui a accepté de venir nous voir. Oui. Mais vous n'avez pas grand-chose à dire. Non. Bon, ben c'est pas ça qui redopera notre audimat. C'est vrai. La RTBF met d'ailleurs en vente une cassette exceptionnelle qui retrace les meilleurs moments de l'affaire. Tra la 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 pub. Revivez les grands moments d'une affaire passionnante. Il n'en est rien. Il n'en est rien, évidemment. Les trois Guy. Pourquoi ne pas rejoindre la bande des Guy? Oh, c'est pas bête, ça. Les levées d'immunité. Partiel. Augusta. Un parti dans la tourmente. Au secours, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est un autre Guy. Les fuites, l'Italie. Est-ce que c'est une fille de Palerme? De l'action, de l'émotion. Où sont les millions? Où sont les affaires du siècle? Et je lève donc tout seul, mon petit porte-bain. D'où j'ai su, j'ai fait trilili. Les 100 premiers acheteurs de cette cassette recevront la note dédicacée par le juge ancien. Dommage qu'on n'ait pas une affaire comme ça au Parti réformateur libéral. Et quand je dis parti, je parle de nous. Coucou Jacob, ich bin hier. Tiens, mon ex-ministre, comment êtes-vous arrivé là? J'avais gardé la slutel. Mais je vous en prie, que nous vaut l'honneur? Ich heb in ding Serbelang kriegt sich. Cake, ich bin un francophone. Marie kann faire un effort tout de même. Ich open de door nar de Vlaanderen. Bravo, prima, mon ex-ministre, comment avez-vous fait? Oh, gemakkelijk, ik heb een zeer goed lichaam. C'est cela. Eh bien, puisque vous êtes là, parlez-nous du festival du film d'amour de Mons. Mons, aïe, Bergen. Eh bien, le film événement de cette édition 1994 sera le grand film de la grande coalition Liberal Attraction avec Jean Gol et Guy Verhofstadt. Bien, bien, voyons ça. Sans la main. Un film interdit aux moins de 21 ans, je précise. Heureusement. Alors, l'autre film très attendu, beaucoup de bruit pour rien, avec José Appart et Philippe Busquin. Voyons-en tout de suite un extrait. Oula. Un film interdit aux moins de 45 ans. C'est ça. Enfin, troisième temps fort de ce festival, La vie sexuelle des bêtes, un film qui, pour la première fois, nous dévoile la vie cachée des gros pachydermes. Mon Dieu. Un film interdit aux moins de 65 ans, évidemment. C'est ça. Todzin, Jacob. Todzin, mon ex-ministre, voyons maintenant rapidement le reste en bref. Conflit bosniaque, la résolution 23455 de l'ONU impose désormais à chaque belligérant d'introduire une boîte noire dans leurs obus afin de déterminer avec exactitude qui l'a tiré. Il y a trop de cruauté cruelle dans toutes ces cruautés. On a retrouvé Guy Spital sans retraite à la trappe d'Orval qui profite de son temps libre pour se consacrer enfin à sa vraie vocation. Véronique, nique, enquêtait tout simplement, le cœur gai et chantant. En tout chemin, en tout lieu, et ne cherche que des aveux, et ne cherche que des aveux. On a retrouvé Gérard Depré qui nous donne quelques explications sur son extinction de voix prolongée. Mais vous savez, même quand je parle, je ne dis pas grand-chose. Jean-Claude Van Damme accusé de viol aux États-Unis, il détaille pour nous son système de défense. Et alors, c'était une femme, non? Just a bitch! Bien, eh bien, sans transition, nous passons immédiatement à notre séquence Nouveau métier. Oh, vous êtes chômeur? Bah ouais. Oh, vous dormez mal? Bah ouais, j'ai du tracas. Bah, j'ai du travail pour vous. C'est un avril.
Ah ben ouais, ah, comptez les chômeurs. 1, 2, 3, 500 000 compteurs, 500 000 chômeurs de moins. 10, 7, 8. Avec Jean-Luc, le sommeil retrouve son chômeur. Étant donné que faute de fuite ou d'affaires croquignolettes, ce journal est forcément ennuyeux, nous allons parler des difficultés de la RTBF. Alors, monsieur Mahou, bonsoir. Mmh. Votre première mesure a été d'amputer une partie de l'image diffusée par notre chaîne, mmh, de manière à vendre cet espace aux annonceurs publicitaires et de renflouer les caisses de la RTBF. Mmh. En tout cas, ça marche. Pub. Découvrez le nouveau CD de Guespital. Entièrement fait à la main, un cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Achetez Wallow, Spit Unplugged. Avec bien sûr le méga tube Véronique Nick et le tout dernier single de Guespital. André, reviens. André, ramène les pots de vin. De Volgende Keer, beste TV Kijkenaar.